La ville est un trou est donc publié, comme vous le voyez, en 2007. C'est un des derniers livres parmi les nombreux de Charles et qui fait suite déjà depuis quelques années à des publications fort nombreuses sur l'Internet. J'y reviendrai. Il faut sentir le danger de la mort proche et pour ça il nous faut étrangler les mots. Il faut qu'on soit dans l'étranglement, qu'on puisse se sentir qu'on parle comme on voudrait s'échapper. Que les paroles s'échappent du dernier trou, c'est le dernier trou de la parole et tous les trous s'en échappent. Ils s'échappent de chacun des mots. Les mots qui voudraient dire des choses, alors que les mots ne veulent rien dire. Ils sont cris, étranglement, ils sont gosiers sortis pour voir la vie hors du corps. Ils sont la pression du gosier, la rétention du larynx. Ils sont le cognement de la langue. Ils sont les affrontements de générations de larynx et de gosier. Ils sont les luttes inscrites dans le corps pour en sortir définitivement. Ils sont la trace d'avoir voulu un jour débarrasser le chant de la physique. Ils sont l'hésitation entre la langue sortie et celle rentrée, celle qui chante clairement, celle qui n'a pas eu à hésiter entre son corps et sa voix. On nous dit tout ça est violent. La violence est une forme de lucidité. Être violent, c'est être en forme. Insulte, cri, cognage, coup de pied dans les couilles sont les formes ultimes de la théorie. Car la théorie, c'est d'en prouver gravement avec soi, soit dans le monde, marre de soi et marre du monde, la vie, moi, je m'en bats les couilles. Pourquoi je vis? Pour m'en battre les couilles. Parle anglais maintenant, plus ou moins, mettons des mots comme ça, plus ou moins anglais, on s'en fout. La langue est notre forme la plus accomplie, c'est-à-dire une putain. Et là, on revient déjà à ce que j'avais dit dans la présentation. Néanmoins, s'y ajoute la violence, très importante, par le souffle, par ce qu'éprouve le corps, la violence à vivre, justement, et là, on parlera un peu plus de ce combat des poètes, la violence à vivre dans notre monde, à combattre et à faire en sorte, avant de vivre, d'y survivre, de survivre à ces dispositifs et à ces normes de ce qu'on a appelé le biopouvoir, la surveillance généralisée, etc., la propagande publicitaire, tout ce...